Lors de la reprise des sports et des programmes, les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles, le personnel, les officiels, les parents et les aidants peuvent suivre ces conseils pour se protéger et protéger les autres de la COVID-19. Adopter une hygiène des mains, cela signifie de se laver les mains régulièrement pendant 20 secondes et d'utiliser un désinfectant pour les mains avant et après une séance. Portez un couvre-visage aussi souvent que possible. Cela vaut aussi pour votre arrivée à la séance et pour votre départ de celle-ci. Restez à une distance d'au moins 2 mètres ou 6 pieds des autres lorsque c'est possible. Évitez tout contact physique comme les toplats, les poignées de main et les câlins, et de cracher, de crier, de chanter et de siffler. Apportez votre propre équipement, gants, balles, bouteilles d'eau, etc. Et ne partagez aucun article à moins d'y être autorisé. Arrivez à la séance déjà habillé pour y participer. Chacun devra signer un formulaire sur sa santé avant de participer à une première séance et répondre à des questions sur sa santé. Les présences seront prises à chaque séance. Les programmes et les séances se dérouleront différemment. Chacun devra faire preuve de patience envers les entraîneurs et les bénévoles et écouter leurs instructions. Restez à la maison en présence de symptômes de la COVID-19, comme une toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires. Et demandez à un professionnel de la santé s'il y a lieu de passer un test de dépistage. C'est ensemble que nous surmonterons cette situation. Et nous sommes impatients de tous vous revoir sur le terrain de jeu. Pour en savoir plus, consultez le site web d'Olympiques Spéciaux Canada.